told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened, and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. Bonjour, bonjour les birdies! Tu m'as fait peur, j'étais en train de te parler. Hello! Bon voilà, on a fait les au revoir avec Jeff et Pascal. Toujours difficile. Ouais. Et voilà, bah, ils s'en vont faire de la bricole et nous on s'en va au camping. On a 2 heures de route, c'est ça? C'est un truc entre les dents. Ça m'étonnerait. Si je te dis. Oui, c'est bon. Donc voilà, en route et on va découvrir ce fameux camping tous ensemble. Okay. À tout à l'heure. De bonne humeur. I'll be your captain. I'll always be your captain. Du bien de se reposer, de dormir dans un vrai lit, parce que là j'avoue la voiture ça nous a un peu calmé. On a dit plus jamais, hein, c'est plus jamais on fait ça, ça a plus 20 ans. On croirait des anciens qui parlent. C'est clair. Là du coup on va en direction du Gers, en direction du camping, exactement à Plaisance, c'est ça chouchou? C'est ça, le camping de l'ours. Le camping de la Rosse. Le camping de la Rosse. Oui. En tout cas, ça fait du bien d'être en vacances, même si on n'est pas encore arrivé au camping. Moi, je me sens détendu. En vacances, hein, on travaille quand même. Ouais, on travaille. Charlotte, elle est en train de faire la mise en ligne parce que ça n'a pas marché chez Jeff. Le réseau, il chie un peu. Il chie un peu, ouais. Donc, elle est en train de faire la mise en ligne pour que vous puissiez avoir votre vidéo quand même. Sinon, ça va pas aller. Vous n'allez pas être content. Hein. Voilà. Ah, tout à l'heure, nous, on continue la route. Ciao. Bon, il nous reste 20 minutes avant d'arriver au camping et là on s'est arrêté à Nogaro, obligé, fallait qu'on s'arrête. On avait déjà fait, je crois, l'année dernière. On va aller voir s'il y a des voitures qui tournent un petit peu. J'entends les bruits là. Ah, j'adore, moi j'adore. Putain, ça me donne envie de refaire du circuit quand je vois ça. Mais bon, on peut pas tout faire, hein, Jérémy, à faire que tu te poses un petit peu, tu peux pas tout faire. Hein, hein chouchou, ça te donne pas envie de refaire de la piste quand t'entends les bruits là? Mais on peut pas tout faire. Hein, on peut pas tout faire. C'est où on fait de la voiture, où on vole en paramoteur, ou voilà, on peut pas tout faire. Ça, hein. Toi, tu prennes, ou alors tu fais ce que tu veux faire une année, l'autre année tu fais autre chose, et puis comme ça tu seras comblé. Tu crois? Ça peut marcher ça? Bien sûr. Bon, allez, on va voir ça. T'as pu 3 fois et puis ok. Voilà, nous sommes arrivés au camping de La Rosse. Ah, c'est La Rosse. La Rosse, elle. Ok, on fait quoi? On se garde. Elle apostrophe A 2 R O S. Ouais, je pense qu'il a dit qu'on pouvait rentrer. Ouais. Bah, je crois. En fait.
se retrouve dans notre nouvelle maison pendant une semaine. Regardez, c'est une tente meublée, mais en fait c'est une tente, une grosse tente en bâche PVC, hein. C'est super costaud. Autant vous dire, faut pas y être quand il fait trop chaud. Mais sinon, c'est sympa comme tout. Vous avez un petit séjour avec un petit meuble, une petite gazinière, un petit frigo, voilà. Là-bas, canapé où Julia dort. On a mis un parapluie qu'on nous a prêté ici. Et nous, on a une chambre ici parentale. Et Théo et Lucie, ils ont une petite chambre ici avec deux lits et une petite armoire. Voilà, donc c'est impeccable. On a super, super bien dormi. Franchement, ça fait trop bizarre de dormir et de se dire vas-y, on n'a pas le bus à faire. Hein ? Ah ouais. Sauf qu'il y a plein de chats qui se promènent. Ah ils ouais. sont tous en liberté. Il y a des chats. C'est atroce. Beaucoup de chats. Charlotte, c'est pas terrible, vous connaissez sa phobie des chats. Donc on va aller balader les chiens dans un petit lac, on va vous montrer ça tranquillement. Puis voilà, on est détendu. Dans un petit lac, on va carrément aller dans le lac. J'ai dit quoi ? Dans un petit lac. On va aller se promener près d'un petit lac. Voilà. Et on est vraiment bien détendu. Et vous inquiétez pas, ça me dérange pas du tout de faire des vidéos. Vous êtes nombreux à nous avoir dit fais pas de vidéos, mais je vais en faire très peu. Et c'est cool en fait. Enfin, franchement, on est cool. Et moi, ça me gave pas de faire des vidéos. Je suis pas fatigué à faire des vidéos. C'est un plaisir. Et donc voilà, on va aller vous montrer tout ça. Et normalement, jeudi, je vous fais une petite vidéo sur le matériel vidéo et photo qu'on utilise pour les vidéos. Voilà, depuis le temps que je voulais la faire et que vous me l'avez demandé, et ben elle arrivera jeudi. Allez, à tout à l'heure. Vous allez voir comment on se débrouille pour faire un live improvisé. Un dimanche soir, il est 18h50, il faut qu'on se dépêche, on captait pas quand on est descendu en bas au lac. Du coup, on va faire un petit truc, vous allez voir, ça va être sympa. Allez, c'est parti, encore 2 minutes et on fait le live, vous voyez ? Nickel, ça va le faire. Bon, et bien voilà, dégoûté, il est quelle heure là ? Il est 20h, non, il est 19h, 19h10, on a essayé le live, vous avez vu, ça n'a pas fonctionné. Bon, ben, il y a des fois, ça ne marche pas, hein. Donc on va refaire ça demain. Et merci en tout cas à vous tous d'avoir été présents sur le petit live qu'on a fait, qui était assez pourri, il faut le dire, ça arrive. Et on refera ça demain, vous voyez, ça c'est les aléas des lives, hein. C'est pas évident, et franchement, qu'est-ce qu'on galère en France pour capter, hein chouchou? On a fait, c'est pas on normal, a fait combien, 3-4 mois là dans les pays étrangers, dans les pays du Nord, et on captait super bien, même dans les fins fonds des forêts, on était tout le temps en 4G+, c'était hallucinant. Avec toutes les bandes, ouais. Au taquet. Et là, dès qu'on arrive en forêt, tout le temps, c'est pourri. Bon bah ça fait partie du jeu, hein. Allez, on est quand même deg, hein. Ouais, on est dégoûté, on est aussi dégoûté que vous, hein. Mais bon, on va refaire ça demain. Allez, bisous, ciao les bandits. We'll be right back.
Je te filme parce que tu rêvais d'avoir un chien qui ramène un bâton. C'est vrai. Mais là, elle n'a pas l'air décidée de jouer avec moi. Comment elle nage, un peu marrant. On l'a bien fatiguée là, c'est nickel. Alors les bandits, vous avez bien aimé cette petite vidéo? Elle va pas être très longue. Hein. Non, voilà, on vous a fait voir un petit peu notre petit parcours pour arriver jusqu'ici. Et voilà, on se repose. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on se repose. Surtout moi. J'avoue. Je me repose. Je fais que de dormir. Ouais. Mais bon, c'est bien. On va arriver au car. Tu culpabilises de dormir, c'est un peu ça. On va aller au car et puis. On va encore vouloir envie de dormir. On va être au taquet. Je pense que ça nous aura vraiment fait du bien. Là, je vais aller faire un petit peu de piscine avec les enfants parce qu'ils n'arrêtent pas de nous demander d'aller à la piscine. Et voilà, on va aller faire un petit peu de vélo rail. Je sais pas si je pourrais vous montrer ça, si on va réussir à réserver. On va voir, mais normalement on pourra. Donc voilà, là on est mardi et y a la petite vidéo de jeudi. En fait, j'arrive pas à me passer des vidéos. Hein. Moi, c'est un plaisir pour moi et je suis tellement bien organisé que je continue à les faire comme ça pour l'instant. Pour une semaine, c'était bien. Et voilà, jeudi, je vous montre tout le matériel qu'on utilise. Drone, appareil photo, j'ai juste oublié la GoPro, mais normalement, je vais tout vous montrer, mon petit sac avec tout ce qu'on prend quand on part en balade pour faire nos vidéos. Et vous saurez ce qu'on utilise. Ça pourra peut-être permettre à certains de voir ce qu'il faut comme matos pour avoir une chaîne YouTube. J'essaie de faire ça du mieux que je peux, quoi, voilà. J'ai essayé de m'équiper du mieux que je pouvais. Voilà, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein. On peut faire avec beaucoup moins, on peut faire avec beaucoup mieux, beaucoup plus. Mais voilà, je vais vous montrer tout ça jeudi et c'est une vidéo qui intéresse énormément de monde. Vous avez été nombreux à me la demander. Vous êtes beaucoup à nous le demander. Je pouvais pas la faire, on a tellement de choses à montrer avec le car en ce moment que je pouvais pas la faire. Et là, c'est vraiment le moment idéal. Donc je vous donne rendez-vous jeudi pour cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Attends, moi je vais dire des trucs. Vas-y, dis des trucs. On voulait s'excuser aussi pour le live de dimanche. Ouais, parce que franchement, vrai. Il était pourri. On est allé pique-niquer au bord d'un lac. Pareil, on n'a pas pris de vidéos, photos et tout. Franchement, je sais pas pourquoi on n'a pas pris tout ça. Bah, y a des moments, voilà, on garde des moments à nous. Ouais, on c'est est sûr. Bien. Mais on avait tout on a pris. On a fait des rencontres superbes aussi. Et on a rencontré justement les Mitae. Donc vous pouvez les suivre sur leur page Facebook et Instagram. Ils sont partis en roulotte. De toute façon, on en a parlé dans le live, vous avez vu. En roulotte, ils sont partis après en bus. En bus et tout ça, franchement, c'est top. Et là, ils s'apprêtent à partir au Canada. Et nous, on a fait des demandes au Canada, ça n'a jamais été accepté. Ouais, enfin, ouais, on vous expliquera tout ça. Il y a eu des petits trucs qui fait que peut-être qu'on va pouvoir faire une demande en novembre. Enfin, on verra. Donc, du coup, on est désolé. Dimanche, donc, il a été reporté hier. Et au final, bon bah tant pis, mais bon, ça sera mieux, on captait mieux au camping. Ouais, voilà, ouais. Parce qu'au lac, on était en plein dans une forêt. C'est pourri un live hein, quand ça coupe. Ouais, non, c'est trop chiant, c'est galère pour vous, pour nous, c'est galère. En c'est plus, pas agréable du tout. Les enfants, ils étaient pas bien. Lucas, ouais, il était retombé, il s'est un peu ouvert le frein. On était mal organisé. Enfin bref, n'importe quoi. Des vacances, quoi, des organisations. Voilà. Et au final, donc vous l'avez vu hier, de meilleure qualité, et vraiment, c'était beaucoup mieux. Voilà ce que j'avais à dire. Ok, ça marche. Bon, on va à la piscine. Comme d'habitude, même punition. Petit pouce. Abonnez-vous, partagez. Autour de vous. Soyez fous. Et prenez soin de vous. Et passez de bonnes vacances. Passez de bonnes vacances, surtout. Si vous êtes en vacances. Voilà. Et travaillez bien si vous travaillez. Et bientôt, c'est les vacances. Et si vous êtes revenu de vacances parce que vous étiez en vacances et que vous reprenez le boulot là, bah bon courage. Voilà. On vous fait des gros bisous. On vous embrasse. À bientôt. À jeudi. Ciao. Je suis honnête. Et je sais que Charlotte... Ça va être long pour elle une semaine. Elle va me dire si je me trompe. Ouais. Voilà, je le savais. Elle veut tout le temps partir en vacances et dès qu'on est en vacances, elle trouve ça long, elle veut rentrer. Tu vas réussir à tenir 4-5 jours? 7 jours. 7 jours, ouais. Non, mais justement, c'est pour ça que je te dis, est-ce qu'au moins tu vas réussir à tenir 4-5 jours? Je te dis franchement, j'ai déjà envie de rentrer. Pourquoi? Je sais pas. Je ça, sais c'est pas. Charlotte tout craché. C'est un truc de dingue. Je sais pas, puis là, il y a le bus qui est tout seul. Ah ouais, mais ma mère, elle le surveille. Oui, non, mais je veux dire, on n'est pas là, quoi. Ah ouais, mais me dis pas ça. Moi, je me suis mis dans la tête qu'on allait prendre du bon temps. Et toi, tu veux déjà rentrer pour refaire le bus. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais ça, voilà. Ça, c'est nous, on n'est jamais...
On part dans tous les sens. Non, mais on verra à la fin de la semaine. Si ça se trouve, on va y courter. On va partir mercredi, jeudi, vendredi. Je sais pas. On verra comment ça se passe. Bon, en tout cas, on est bien, on verra. Et nos stress et les vacances, ouais, il faut profiter. Mais c'est clair. Il faut que tu arrives à t'enlever de la tête ta vie là-bas. Et là, on a une petite semaine où on va vivre ici. Hein, c'est ça, en fait. Merci. C'est la transition que tu as du mal à faire. Ouais, je pense, ouais. Mais après, tu n'auras plus envie de partir. Si, je pense. Si. Ça intéresse, camion à vendre. So good, and I know just what to-